1, 2, 3, 4. Et chaque fois que question s'est posée, même toujours un dirigeant réticent par rapport avec les réponses pour ta baille dans ça pour faire. Donc, ça pour faire, les entraîneurs ont fait de stratégie, tactique, opération, tout ça. Et je crois toujours bon, comme si c'était de bon, un ancien directeur général de la police et un ancien militaire tout, qui a bon, une connaissance tactique, stratégie et autres. Leur face genre de problèmes à eux pour t'a dit bon faut 1 2 3 4 t'a fait parce que pas oublier même pas en dans institution encore en dehors donc on capable ouais un bagage moi dit mais ça m'a fait mais le mandat réalité à tout autre donc moi bon, c'est sinon que dans ça pour nous faire 1 2 3 4 j'ont dit là li pour arriver tout ou arriver dans phase côté que ou dit bon c'est censé quoi me dit pour tout monde dans qu'on y a ça doit faire ou ça pas ça c'est supposé fait que responsable pas fait donc même pas toujours le bon pour me faire comme ça la mesure où bon si le chef la police m'a toujours le chef police là pour me donner des idées concernant ou bien point de vue pas j'ai moi situation hein. Donc, nous éviter de parler justement de mode barrage dans la presse. Et pas oublier, moi-même, j'ai fait expérience en 2005. L'homme dépend la police là, presque dans une situation similaire, mais quoi que je dis, le plus grave. Donc, c'est l'homme qui est là-dedans qu'on y a là. Et puis, je connais ça, je suis même, il faut inventer des lieux. Et qui permettent moins, comme si d'adou employer telle stratégie pour que je m'aboutisse à ça, que je arrive à objectif. Moi. Donc, je dis la situation vraiment alarmante, pas même alarmante, même ça veut dire grave. Donc, il m'a dit des réponses, effectivement. Il m'a dit des réponses. Malheureusement, la situation dégénérée, ce n'est pas année sale dégénérée, c'est depuis bien avant, il y a eu des rivières en phase, côté que la police, là, toujours dans la gestion de l'urgence, là, il n'a jamais priorisé ça, ou les préventions, qui vient faire, je dis, à la répression. Donc, nous, cas classique, moi-même, et peut-être que je me décarre vers l'approche là, nous devons maximiser la prévention de façon à faire moins de répression. Et moi, je crois que l'hypothèse est non logique, c'est aller les amas de bataille tirer seulement, je veux dire, il y a un tout. Mais il faut que nous regardions le problème dans l'autre gens, parce que le problème n'est plus pas problème police encore. Donc, son problème qui relevé de l'armée ou l'autre entité. Ou pas entraînement ça dans la police là. Et chaque fois, on a fait référence avec nous en 2005, parce qu'on a fait référence en 2020. Mais en 2005, c'est pas de policier qui travaille, c'est des gardes là, des gendarmes là, des militaires. Parce que on n'était pas oublié, on était capitaine dans l'armée. Et on était arrivé à concilier ça, on était recevoir comme formation d'académie avec position comme chef de la police. Donc, il n'est pas seulement pour moi un problème de sécurité que j'ai besoin d'adresser dans le moment. Il était un problème social, tout, absence de l'État dans ces deux points, l'État pas pour responsabilité. Et qui fait me comprendre que il y a des bagailles où je l'aime maximiser la prévention, je vais anticiper tout, ou ensemble d'actions qui sont faites sur le terrain. Et moi, je pense que je dis, approche n'est pas différent, non? Approche n'est pas différent, sauf que on pas senti que j'ai une stratégie et puis qui met en place pour dire qu'on a prévu un tel objectif. Donc, je dis à tout le monde, que ce soit en société, que ce soit même au niveau en force police à policier, ouais, c'est résoudre le problème là, et pour ça finir. Et l'homme garde tout approche sociale là, toutes les questions, c'est que nous, il y a un problème pour nous là, on a fait une série de réactions, de commentaires qu'on a fait, c'est pour tout écraser, briser, on s'est dit déjà, on a fait un problème à résoudre. Pas qu'à voir comme ça, comme une entité qui l'a pour bailler, pour qui l'a pour protéger avec ses vies, ou l'a pour protéger avec ses vies, pas au coup, mais tout le monde. Donc, c'est au même pour une solution. Donc, 1, 2, 3, 4. Je pense que le cas est difficile pour moi, de prendre deux pour me dire, il y a un peu de temps, et il faut que je m'invente pour me connaître qui stratégie, qui mode opérateur qu'on va le faire, qu'on va l'utiliser pour me capable arriver à l'Assemblée Rivière. Donc je dis, je pense que l'urgence là, c'est un, ou pas poser le problème dans l'heure, pour regagner confiance aux populations. Donc je pense que c'est un travail pour la police faire pile. Deuxièmement, qui sont capables de faire avec son gain dans le monde comme personnel, comme ressources humaines pour attaquer le problème là. Parce que Blanc n'a pas venu encore. Je dis à la même passé, problème dans les bons problèmes de la police, des problèmes pour la force militaire et autres, parce qu'on a un problème d'occupation de territoire par des groupes armés.
devine pour poser un problème de sécurité nationale au lieu qu'elle pose un problème qui joue avec le problème de sécurité publique tout donc qui vous adresser. Donc je dis allemand des allemand des tact demander une telle intelligence beaucoup apprennent bien sont voulez résoudre comme problème. Donc même pas voulez parler trop qui t'occupe de poser quelques questions okay. Mais moi non même pense que nous pas désespéré. Nous ne pouvons pas désespérer parce que même penser qu'il y a une solution. Il n'y a pas blanc qui tapine dans le cabinet de l'Ouest, le cabinet de l'Ouest, mais il y a des bagailles qui vous mettez en place, il y a des moyens adaptés qui vous baillent pour résoudre le problème. En comprenant que nous-mêmes, et en tant qu'haïtiens, nous connaissons effectivement, je dis, le problème de sécurité posé de manière générale dans le pays, il faut le poser à notre niveau. Donc, il y a des problèmes, ou bien il y a des diminués et menaces sur cette société qui peut éclater la République. Oh, ça tu n'y es là, Mario Andresol. Le problème n'a fait face là, ce qui est pour avec l'insécurité, il n'y a pas eu de problème de police. Et son jour dit, c'est un problème qui est plus pour avec l'armée. Est-ce que vous avez dit là, il faut nous réorienter la police là, ou bien faire un embryon de l'armée nous la découvert pour qu'elle soit capable de faire face à la situation ça? Deux possibilités. Bon, même, je pense que ça nous a dit comme problème dans la police là. Il n'y a pas de solution qui a sorti directement de lui. Il y a une partie de solution qui a sorti la donne. Mais même pense effectivement, j'aime dire qu'on a prôné le bien avant. Je dis à nous avons un embryon l'armée. Donc, nous avons des commerces qui nous ont la donne. Et on a songé qu'on a fait une interview ensemble avec vous. Nous avons bien dit. Pourquoi ça ne pas faire de tout de yon? Ça veut dire qu'il y a une seule force là-dedans, à côté que nous sommes capables de gagner. C'est ici pour une décision de toute façon. Nous sommes capables de gagner, comme si nous avons une force de sécurité qui va prendre les armes, ni la police, nous avons les FADH, ni PNH. À côté que nous sommes là, nous mettons tout le monde ensemble. Donc, en tant que force, ça a des unités spécialisées qui ont reçu des formations anti-terroristes, des formations même militaires, comme on dit. Donc, c'est des armées qui ont constitué. Le problème, c'est qu'ils vont gagner un ensemble de missions, de frontières, ils vont l'occuper, et un ensemble d'opérations qu'ils ont menées, que la police n'a même pas préparé pour ça. Donc, même devine avec qui ils ont proposé ça, on l'aime, pour me changer dans l'émission de guerre. Mais, il est toujours qu'un bien, quand même. Il est toujours qu'un bien. Parce que nous pas gagner ça ni en bruit là mais bien entendu les gamins ni gamins qui pour réduire ces dans et dans question mal là mais pour capable remettre le coup vraiment sous tapis à coup pour avancer et parallèlement souvent qu'on soit allé faire le coup tout faut reconstituer force là et force là de façon à ce qu'il vienne en aide à la police lui-même dans ça l'a fait et je dirais pas oublier depuis 95 ou 94 depuis là mais a été écrasé donc nous on va comme jusqu'à présent, la police là couvre seulement 47% de territoire, et 13% de territoire par an couvre. Donc, le fait que nous n'avons pas de présence, l'État annoncé de côté, tant que Joseph Section, tant qu'on est dans toute section communale longtemps, donc on vient créer un problème encore, ça est d'où le problème, non, il n'est pas, c'est pas démobiliser l'armée, ou reprendre, qui t'a quitté solution dans le moment. Parce que vous pouvez vous le petit monsieur fait monter en 95 l'institution, mes amis, qui expérience vous gagnez. 6 mois de formation, pas capable de mettre une comme si vous avez fait tout le bagage qui t'a demandé en termes de sécurité dans le pays. Et comme moi, tout à l'heure, en 2005, c'est pas de policier qui a travaillé comme directeur de la police, c'était le capitaine de la mer. Son capitaine, c'est parce que c'est justement l'expérience qui te permet de me connaître là, les problèmes à poser pour me chercher des solutions. Parce que c'est ça qui montre nous, le côté de dire. Donc, dans l'école, je passé là. Donc, je ne tout monsieur la police qui a une possibilité ça, parce que par recevoir information, ça me dérange. Donc, je dis justement, pour adresser ces questions, on en a parlé là, je dis là. Et ça, Haïti a besoin même, c'était justement une force qui entre la police et l'armée, et puis pour y a qui a des unités en dedans, qui pourraient justement adresser ces questions de sécurité. Et je n'ai pas rappelé encore que, bon, je dis là, ces problèmes de sécurité publique là que la police a supposé. Allô? Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Ah. On parle avec ce directeur général de la police nationale, la Mario Andresol. C'est pour ça. L'OGA dit maintenant opération que. L'offre opération. Pourquoi opération pour sous-terrain?
Allô? Oui. Allô? Oui, nous copions mieux là. Nous copions mieux. Oui, Allô? oui. Allô? Oui, moi j'ai coupé. Oui, non, non, t'es Oui. conti, t'es fonti coupé, mais on va continuer. D'accord. Nous pas eu l'opération que dans la police en général. C'est que nous pas qu'à l'opération pour vous, et puis toi, vous allez nous tourner, après vous allez nous tourner, donc ça, tout, il faut qu'il y ait des opérations, il a, pour que vous campez sur place, sur terrain, on nous a fait prendre, donc il faut camper sur lui pour consolider. Donc là, les deux matins, on commence encore, donc ça, il montrer que pour y avoir une faiblesse. Donc avec la police, ça ne va pas pour ça. Donc ou bien, si vous voulez faire le coup, vous avez une pile logistique, et puis en pile monde tout qu'on y a pour qu'il fait relève sur place et autres. Donc ça, c'est notre histoire. Donc moi, je pense que je dis justement, il faut que nous ayons ces questions. Hein. Ce n'est pas seulement le problème de sécurité publique, le problème de sécurité nationale, et même le problème de sécurité publique et de sécurité nationale à résoudre, il faut que nous adressions le problème de sécurité humaine et même le problème de sécurité sociétale. Yo. Donc là encore, c'est pas, il n'est pas dû sur la police, ou l'autre aspect de la sécurité n'est pas dû sur l'armée et tout, mais il faut que les entités encore, que l'État lui-même obligé de des politiques publiques en affaires de sécurité et de défense pour capable de et résoudre le problème. Non. Parce qu'il y a une force qui est là, non seulement pour le protéger et servir, mais pour le défendre le territoire. Tout. Donc c'est ça qui est là tout le problème. Non. Donc là, une force qui est la police, c'est pour la sécurité publique, pour aller ces problèmes de sécurité publique, et puis le problème de sécurité nationale, tout problème de sécurité. Donc, normalement, il va pas trouver une solution. J'en ai là, je dis là. Donc, il faut que l'autre approche des questions. Il faut qu'au moins nous-mêmes, nous chita, même nous chita, bon, politique qui a fait politique, chita, et puis tout pour aller ces questions. Je dis là, bon, on va sentir ça, parce que nous, t'es problème, nous, t'es dit dans le commencement, nos personnes t'ont posé problème, et CSPN. Non, oui, dans CSPN, pour chef de quartier, personne n'a mais très souvent, c'est même seulement qui a fait débat à la police. Donc, CSPN n'a pas un secrétariat, comme si t'as qui t'a occupé des questions, ça, des gens qui connaissent, qui a visé, qui a procédé et chef CSPN. Donc, tout ça, moi, je pense que c'était des vides qui n'étaient pas jamais comblées. Et depuis 1995, la police a créé, la traîné au roumoulette. Et depuis 1995, la police a géré l'urgence. C'est ça qui fait, ouais, même si vous avez 50 000 policiers, vous avez tous les problèmes d'effectifs. Passé 2 ans, oui, et tu as une conférence qui était faite dans l'université qui se créa, où tu as fait présentation ça. Et il y a une présentation de très grande facture dans le cadre de ça. Mais malheureusement, réflexion est faite, proposition est faite, mais pas de relais, pas d'articulation pour matérialiser des décisions, actions qui sont bénéfiques pour la population. C'est dû à quoi d'après vous? Bon, même parce que, comme si responsable en général, il y a un cadre de routine. Et puis, chita, soit sous un fauteuil, non, c'est un côté d'un ou bien ministre, quoi, comme m'a oublié. Il n'y a pas tenu compte de réflexion, par exemple, l'université ou fait. Nous n'avons plus puisque nous pas habitués avec notre bagage. Et très ça entre dans le problème. Bon, tout était assez comme ça, lié tout. Nous avons des villes chefs. Il n'y a pas de dire, bah ouais, donc ça, le débile là, ça l'a fait, c'est ce qu'il faut le faire. Donc, c'est ça qui fait jusqu'à présent, je vous dis, pourquoi on a des gens qui ont de la police là, qui ne peuvent même connaître la police là, qui ne peuvent pas fonctionnement de la police là. Donc, c'est ça qui fait, ouais, et dans le cas ça retourne très souvent, il y a des réflexions, on dit, même les faites, et il y a des cas pour justement, c'est interpellé, tu as supposé interpeller le responsable, mais très souvent ça n'a pas fait, mais c'est sacrilé, il n'y a pas aucun ayant encore, non, qui a expliqué ça. Parce qu'effectivement, on dit, j'ai noté une intervention dans une conférence qui a été faite dans l'université de Kiskeya. Donc, effectivement, tu as un ensemble de propositions qui sont faites, et tu as des propositions variées, que tu as condensées. Et avec eux-mêmes, nous avons avancé et nous avons même gagné une politique de sécurité avec eux-mêmes. Mais malheureusement, les dirigeants ne sont pas sur ça, ils trouvent sur la politique, ils pensent que la sécurité est elle-même. C'est un bagage comme ça, il n'y a pas le même sens, à même valeur avec nous, avec la diplomatie ou bien avec l'autre question, l'autre ministère. Mais moi, je pense que je dis à là, nous, ouais, que nous avons un pile lacune. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui sommes en retard dans toute région. Nous tournons même dans la chaîne qui est dans le pays, dans la région, nous sommes plus faibles. Et je dis à là, nous sommes capables de dire que l'insécurité, ça, les doublé avec des entités, des secteurs justement qui ont profité de lui et qui ont alimenté le tout pour qu'il y ait comme ça, parce qu'il facilite le travail. Et puis, il est bon pour lui comme ça. Plus là, j'ai parlé avec Marion Andrissol, l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti. Vous souhaitez évoquer un élément là, M. Andrissol,
qui est important pour nous prendre en compte dans ça nous gain là qui c'est des problèmes de sécurité nationale et de sécurité publique et malheureusement au plan institutionnel pour occasion une bonne articulation et les décisions qui pourraient permettre nous résoudre des problèmes là qu'ou certains indiqué tout à l'heure là qui est grave et très grave. Mais en parallèle, et vous t'ai dit, les papas, mais il faut en parler parole, c'est ça qui font tiger ballon, tiger fatiguant, parce que parole, ça va parler là depuis plusieurs années, ou bas éclairage, d'autres mondes bas éclairage, et décision pour corriger ça, me fait même, petit parenthèse ça. Vous avez dit là, tout à l'heure là, il y a des entités pour lesquelles, et Jean Haïti là, c'est le monde parfait. Nèg qui dans trafic d'armes, nèg qui dans trafic drogue, nèg qui dans trafic moun. Donc là c'est le paradis qui li leur arrive en phase de déconstruction de l'état d'affaiblissement appareil sécurité li pour eux même yo gagne activité criminelle yo gagne maintenant là nous arrive dans situation ça côté gagne contrebande d'armes, trafic drogue, gagne traite et humain et en face et ou à côté nous on dit à côté nous gagnons une coopération à travers des pays comme les États-Unis, la France et le Canada qui dit non, nous travaillons uniquement avec la police nationale d'Haïti parce qu'il y a des contentieux non vidés avec les FADH d'ailleurs nous pas bailler équipement nous pas chose et entre-temps des monde dans la société a qui dit qui ont un certain rôle de respectabilité mais dans certains cas qui dans tous les trafics les mauvais trafics d'armes blanchiment etc. L'organe prédominant ça de cette économie criminelle de cette mafia qui gagne des entrées dans des espaces de pouvoir et puis ou gagne dans reste société a et des monde qui n'ont torpeur qui a souffri de bah ça. Comment jouer la bonne énergie pour mettre en condition de marche pour que gagne des politiques publiques qui supportent par nos amis de la communauté internationale qui pour bailler finalement ce que nous souhaitons tous des résultats. Bon, moi je pense que dans le niveau ça surtout et c'est un côté avant notre qu'on travaille et gagne mon cap profiter et des secteurs impliqués dans ces bagages là. Même parce que même au niveau international pour parler avec international là tout. Il faut que des gens qui soient convaincus. Vous comprenez? Parce que c'est vrai que dès que les gens ont un agenda, ont un intérêt. Mais tout vous est-il que je crois que la situation chaotique là, ils profitent de lui. Vous comprenez? Vous avez normalisé la situation, si vous n'avez pas eu l'élection, pour que le gouvernement ait un financement avec lui. Donc, partant de ce principe, moi je pense que, dans le niveau ça, il faut que les gens qui ne parlent pas de ces questions de sécurité, avec la communauté nationale là, faire comprendre, mais qui sens où aller. Mais il faut pas pouvoir faire mettre dame tout. Parce que nous, comment nous mettre dame, nous disons fait tel bagage, nous disons étrangers, ok, nous disons ce qu'on a pour nous faire, pour arriver tel gens. Mais malheureusement, il n'y a pas ça nous fait. Il faut que nous clair, il faut que nous sincères, il faut que nous nous voulons. En général, nous pas qu'on nous voulons, ça nous voulons aller même. Il n'y a pas vraiment mettre tout à piano. Donc là, nous disons ça nous voulons, et puis bon, et puis nous voulons faire le bagage. Mais je dis à même penser que le problème ça pour l'adresser à un contentieux qui n'ont vidé avec l'armée et la police et autres. Mais ça a été supposé poser depuis 1995 l'on a créé force police là. Parce que la constitution était claire, nous avons deux forces, l'armée avec la police. Donc c'est chita pour nous garder comment nous avons des bagages que nous avons mis ensemble pour nous avancer dans le sens côté que nous avons des institutions qui viennent, qui peuvent travailler dans l'intérêt pays et dans l'intérêt avec la population et qui vont aller piquer nous tous dans ces deux bagages. Donc, ça m'a pensé que le problème est encore même naïf, peut-être, même comme j'ai expérience tout avec étrangers ou partenaires et ou cités, avec des responsables là-dedans. Moi-même, je suis content de parler avec eux, et je me demande des bagailles, ils comprennent ce que je me dis, ils comprennent qui sont là, ils sont capables de toujours aider. Donc, moi, je pensais que dans ce sens, il faut que les gens aient des questions. Il n'y a pas n'importe quel politicien qui va acheter ta parole, pas arrêter, et puis qu'on y a là, qui voulait pas arrêter, ou qui va faire show off, qui va aller dans le bagage. Même, j'ai regardé comme si il y a des informations que tu as faites, par exemple, il y a dit, Haïti va le recevoir, mais comment faire un politicien qui chita, et puis tout qu'on y a pour un journaliste pour donner information ça? Il y a un journaliste qui a fait information, s'il va pas dire, il va dire. Mais il va dire, il y a un il n'y a pas d'intérêt du tout pays. Il n'y a pas d'intérêt institution de la police là tout qui va le perdre. Un, ça n'a brûlé et fait de surprise là. Et deuxièmement, tout le monde va le permettre, puisque c'est pour bagarre n'a pas recevoir du jour au lendemain. Il va le prendre en recevoir. Mais le monde qui a alimenté
secteur et l'abdi bandit, il va chercher des âmes, il va avoir cartouches, munitions qu'on a pour qu'il contre et sans pas le recevoir comme matériel de nouveau matériel de bouta et résoudre le problème. Donc, moun, yo pa wè sa, c'est comme ça qu'on fait. Même parce que là encore, faut que nous responsables. Faut que vous mettez moun qui connaît bagay, qui comprend bagay, yo, dans position pour nous pour capable parler avec étrangers pour expliquer mais qui ça n'est là comme problème mais pour moi nous voulons entendre pour adresser nous en tant qu'haïtien. Donc l'autre bagay n'a pas parlé en fait de pour n'a pas profiter de gagner c'est de nous profiter. Oui, tant mieux nous-même nous donne des nous pas jamais ignorer le fait que effectivement situation rien de la connia profiter à ensemble de un secteur que ce soit une café avec ça ou bien avec gog, les bon bouillon. J'ai la ville là et vous n'y là, d'ailleurs, bah, ça dit que vous êtes plus facile. D'ailleurs, la police, vous n'avez pas aucune autorité dans les côtés, et puis, vous êtes tout quête, n'est-ce pas, mais descendez, et puis, carrément, et puis, il va passer, et puis, pas grand, il dit, c'est pas assez que ça, donc, cap fourni, monsieur Ozam. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, combien de temps pour un petit bateau sorti, le Bangui à Colombie pour arriver au Caïd? Vous dites, il y a des sous-marins, ils ont fait tout, ils ont fait des sous-marins artisanales, monsieur Douagio. Donc, il va se louer. Il n'y a pas de problème pour 8 heures de temps pour sortir Bangui à Bouyo, ok? Donc, il y a la peau au moins ce temps. Donc, on va on garde côte pour nous capturer les côtes. Donc, c'est normal pour nous, la concentration de Haïti, tout est un bagage, un entrée libre. Jamaïque tout prêt, donc Jamaïque va venir entrer derrière le camp de Jérémy, on garde Jamaïque. Donc, ça veut dire que nous sommes là, ou soit on est côté vulnérable. Le problème, ça n'a pas adressé. Donc, je dis à la secteur qui a profité de ça, qu'on est là. En Libalda, quand on considère le problème, comme ça. Il va créer des situations justement qu'on a pour ça, qu'a toujours été comme ça. Maintenant, l'elle a pouvoir politique là dans main. L'elle a un pouvoir. Dans certains cas, c'est des gens qui ont un pouvoir politique dans main, un pouvoir économique dans main. Et en face là, ça pour préserver nous, c'est-à-dire des éléments au sein de l'État, de l'appareil répressif et sécuritaire de l'État, nous pas à la fois ni savoir-faire là, ni volonté là. Excusez-moi, mais c'est ça que nous constaté. Moi-même, bon, ouais, dans le cas ça, moi-même, pensé et. Il y a un monde qui est en position d'autorité pour le camper. Pour le camper. L'homme du camper, camper, bon camper, le sakounia, c'est pour son grand mal qui parle avant de taille pâle, c'est mettre l'opinion publique à bon côté. Et puis pose action. Parce que c'est pour qu'il casse quand même. On ne peut pas arrêter qu'on a des situations comme ça avec l'on dit, bon, c'est des gens qui prédominent et question et graphique d'examen. Au début du coup, il y a une politique en amère. C'est quoi si nous avons parlé là, moi-même, c'est quoi ça mon problème? J'ai un problème dans le pays à Kounia. Et physiquement, d'après un vidéo Kounia pour inverser l'autre sac là, je veux dire. Donc, peut-être que ça me dit à fond, mais quand même, parce que tant que tu n'as pas laissé résoudre le problème, quand si nous avons de façon normale, donc on va le retrouver en façon ces éléments qui sont dans le système, qui sont dans le circuit déjà, qui prennent des obstacles à un moment donné, pendant qu'il y a proposé à Pacha avec nous. Je disais, même quand Kounia là, Mais cette volonté de révolte là, c'est-à-dire de rompre avec cette organisation, nous sommes montrés gens sophistiqués, gens pratiques, mais si Dieu, gens qui ont des leviers dans le boulot pour du tête li, mais les gens qui ont souffert, la population qui a vu des fois en relambré les bandits à assassiner, ou à tuer, ou violer, et puis à chercher réponse par adjoindre, monsieur André. Non, mais c'est là le problème, la population tout va prendre le Messie pour venir du problème pour eux, ils ne vont pas camper eux-mêmes. Vous comprenez? Il y a toujours un château à la Messie. Donc, il y a un pouvoir quand même. Il y a un pouvoir de mobiliser. Il y a un mobiliser. Et puis, pour nous, il y a un forcé responsable de dire ou bien les gens qui ne sont pas capables de retirer quoi, ou bien mettre les gens qui sont capables. Mais on ne va pas faire. On ne va pas être tout le monde qui est en train de faire tirer quoi, on se décote. Même les gens qui ont un sentiment de révolte, ils ne sont pas animés à ici encore quelque temps. Donc, je dis à la si nous avons dit que nous avons comme ça. Tout à l'heure. Au plan politique et allô on va tourner dans quelques secondes avec ou même sont fait oui nous t'es perdu l'autre dit ou même sont fait pour qui ça nous fait nous même comment organiser nous pour n'appeler au Bekonia nous oui même dit derrière il m'a demandé pour faire bagaille chaque fois ou même communication fait ça le site là bas Jean. Le garçon choisit, c'est le déjà Abdibaï qui a interpellé tout le monde. Il choisit d'appeler. Moi-même. Il a fait caprice. Je ne suis pas dans la position. Allô, DG? DG? Il y a ce qu'il y a. Il n'y a pas de sentiment de révolte là. Il y a une situation ça nous amène là. DG, de manière très pratique,
ça pour nous faire 1, 2, 3, 4. Et chaque fois que je s'appose, même toujours un dirigeant réticent par rapport avec les postes pour tabaye, non, ça pour faire. Donc, ça pour faire, les entraîneurs ont fait de stratégie, tactique, opération, tout ça. Et ma quoi toujours bon, comme si j'avais un monde comme ancien directeur général de la police et un ancien militaire tout qui a bon, une connaissance tactique, stratégie et autres. Là où on face un genre de problème ça eu, pour t'as dit bon, faut 1, 2, 3, 4, t'as fait. Parce que, pas oublier, même pas en dans l'institution encore, en dehors. Donc, je suis capable de faire des choses, mais ça me fait, mais le mandat, réalité à tout autre. Donc, je pense que si nous avons ça, pour nous faire 1, 2, 3, 4, je dis là, pour arriver tout, ou arriver dans la phase, côté que je dis bon, c'est censé. Quand je dis pour tout le monde, dès qu'on y a ça qui est fait, ou ça pas ça, ça qui est supposé fait, que le responsable n'est pas fait. Donc, même pas toujours le bon pour me faire comme ça, à la mesure où, bon. Si je suis le chef de la police, je suis toujours le chef de la police là pour me donner des idées concernant ou bien point de vue PAM, j'ai une situation. Donc, je nous éviter de parler justement de mode barrage dans la presse. Et pas oublier, moi-même, j'ai fait expérience en 2005. L'homme de la police là, presque dans une situation similaire, mais quoi que je dis, le plus grave. Donc, c'est l'homme qui est là, et puis, je me connais, ça me vient dans même, il faut inventer des lieux. Et qui permettent moins, comme si nous avons employé telle stratégie, pour que nous puissions aboutir à ça, besoin arriver à objectif. Donc, je dis à la situation vraiment alarmante, pas même alarmante, même, ça veut dire grave. Donc, il m'a dit des réponses, effectivement. Il m'a dit des réponses. Malheureusement, et situation dégénérée, c'est pas année, pas année ça le dégénérer, depuis bien avant, il y a eu des arrivées dans la phase, côté que. La police là toujours dans la gestion de l'urgence là, il va jamais prioriser ça ou les préventions qui vient faire aujourd'hui à la faire répression. Donc nous cas classique m'abdou même et peut-être que me décarver via approche là, on doit maximiser les préventions de façon qu'à faire moins répression. Et moi crois que il va arrêter non logique c'est aller à mal bataille tirer seulement aujourd'hui à rien tout, mais faut que nous regardions les problèmes dans les gens, parce que le problème n'est plus pas problème police encore. Donc, c'est un problème qui relève de l'armée ou l'autre entité. On n'a pas entraînement ça dans la police. Là. Et chaque fois, on a fait référence avec nous en 2005, parce qu'on a fait en 2020, mais en 2005, c'est pas de police qui a fait le travail, c'est des gars-là, des gendarmes, des militaires. Parce que je n'étais pas oublié, je suis capitaine de l'armée. Et on est arrivé à concilier ça, on était recevoir comme formation d'académie avec position comme chef de la police. Donc, ce n'est pas seulement pour moi un problème de sécurité que j'ai besoin d'adresser dans le moment. C'était un problème social, tout, absence de l'État dans ces deux points, l'État pas pour responsabilité. Et qui fait me comprendre que il y a des bagailles où j'aime maximiser la prévention, je vais anticiper tout, ensemble d'actions qui sont sur le terrain. Et même parce que je dis, approche n'est pas différent, non? Approche n'est pas différent. Sauf que on pas senti que bon stratégie et puis qui met en place pour dire on a privé un tel objectif. Donc je dis à tout le monde que ce soit société à que ce soit même au niveau en force police à policier ouais c'est résoudre problème là et pour ça fini et l'on garde toi approche sociale là toutes ces questions c'est que nous des problèmes qu'on y a là on a perdu aussi de réaction de commentaires qu'on a fait c'est pour tout écraser briser on s'est désolé puis tout qu'on a problème à résoudre. Pas qu'à comme ça, comme entité qui l'a pour bailler pour qui l'a pour protéger avec servi ou l'a pour protéger avec servi, pas au coup, mais tout le monde. Donc, c'est vous-même pour une solution. Donc, 1, 2, 3, 4, je pense que le cas difficile pour moi, de prendre deux pour me dire, il y a un d'ailleurs, il faut que je me fasse inventer pour me connaître qui stratégie, qui mode opératoire je vais faire, que je vais utiliser pour me capable de vivre à Assemblée Rivière. Donc, je dis, je pense que l'urgence là, c'est un, ou pas poser le problème dans l'heure. Pour regagner confiance aux populations, donc passer sur notre travail pour la police en pile. Deuxièmement, qui sont capables de faire avec son gain en monde comme personnel, comme ressources humaines pour attaquer le problème. Parce que Blanc n'a pas venir encore. Je dis à la même passé, problème dans les bons problèmes de la police, des problèmes pour la force militaire et autres, parce qu'on problème d'occupation de territoire par des groupes armés.
devine pour poser un problème de sécurité nationale, au lieu qu'elle pose un problème qui vient avec un problème de sécurité publique, tout, donc qui vous adresser. Donc je dis allemand de qui allemand des tactes, demande intelligence, qu'on comprenne bien, sans vouloir résoudre comme problème. Donc même pas vouloir parler trop, qui doit poser quelques questions, okay. Mais moi, je même pense que nous n'avons pas qu'à désespérer. Nous n'avons pas qu'à désespérer parce que même penser que il y a une solution. Il n'y a pas blanc qui t'a pris dans le cabinet de l'Ouvain, le cabinet de l'Ouvain, mais il y a des choses qui vous mettez en place, des moyens adaptés qui vous baillent pour résoudre le problème. En comprenant que nous-mêmes, en tant qu'haïtiens, nous connaissons effectivement, vous dites, le problème de sécurité posé de manière générale dans le pays, il faut le poser dans notre niveau. Le problème ça ou bien diminuer et menace à toute la société qui peut éclater la République. Vous vous souvenez là, Mario Dressol, le problème n'a fait face là, ce qui est pour avec l'insécurité, il n'y a pas eu un problème de police et son jour dit c'est un problème qui est plus pour avec la vie. Est-ce que vous avez dit là, il faut nous réorienter la police là ou bien faire un brillant de la menouille là, t'es couvert pour qu'elle soit capable de faire face à la situation ça? Deux possibilités. Bon, moi, je pense que c'est. Ça nous a dit, comme problème dans sur la police, là. Je ne crois pas que la solution qui a sorti directement de l'île, je crois qu'il y a une partie de la solution qui a sorti là-dedans. Mais moi, je pense effectivement, j'aime bien qu'on a posé le livre avant. Je dis à nous, il y a un embryon l'armée. Donc, nous, il y a des communes là-dedans. Et on va songer, le problème, il faut interviewer ensemble avec vous, même si nous avons bien dit. Pour que ça ne pas faire de tout de youn, ça veut dire qu'il y a une seule force là-dedans, à côté que nous sommes capables de gagner. C'est pour la décision de toute façon. Nous sommes capables de gagner comme si nous avons